18. C'est assez grand, donc ça va s'étirer. Là, ici, on va être sur un côté un peu heureux. On a le côté fraîcheur, on a un côté un peu aigre doux. Ça, c'est magnifique. Donc, du coup, il va sillonner l'assiette. Ça te permet dans la dégustation d'aller chercher ce que tu veux. L'important, c'est pas d'avoir la même dégustation à chaque fois. On va chercher ce que... Il y a 10 000 repas à jour qui sont servis sur l'ensemble des athlètes. Alors, je ne sais pas les 10 000 repas. Moi, je serai sur le village olympique tous les dimanches et lundis. On va proposer 300 portions, si j'ose dire, de notre teinte, parce que je ne voulais pas plus. Et après, c'est en série limitée. Pourquoi ? Parce que moi, je voulais évidemment que ça soit dans la même veine qu'ici. C'est-à-dire que pas un changement de texture, de goût, de température, qu'on reste vraiment dans la même veine, dans la même écriture que l'on est ici. Et aussi bien pour les questions aussi, pas forcément que gustatives, mais aussi nutritionnelles, on s'aperçoit qu'il ne fallait pas perdre. On a travaillé par exemple sur le pois chiche, qui est avec riche en fibres, une meilleure digestibilité. On a mis ce pois chiche en avant avec une pommade, avec une eau de verveine, une betterave fumée. Donc c'est un condiment de betterave fumée et un lait de poisson. Donc un lait de poisson, on a travaillé sur le merlu où on a apporté cette quintessence justement de ce jus de cuisson et de cette eau de végétation, je dirais, naturelle du poisson qui va apporter une salinité naturelle autour du pois chiche. Donc voilà, ça c'est une des recettes qu'on a présenté, qui a été validée.